était une fois, comme dans les contes de fées, une cité en planches fleurie au mois de mai. Dans ce havre de paix vivaient d'étranges personnages originaires des quatre coins du monde. Ces hommes, leurs femmes et leurs enfants, avaient fui leur misère et voulaient oublier cette guerre qui leur avait fait tant de mal. Durant ces années-là, notre industrie charbonnière fleurissait et nous les avons accueillis à bras ouverts. Dans ce paquebot, voguant sur une mer de poussière noire qui arrachait les poumons, les maîtres à bord s'appelaient HBL. Eux offraient le gîte et le couvert, mais exigeaient en contrepartie la vigueur, la jeunesse et trop souvent, hélas, la vie de leurs ouvriers. Dans une cité en planche, on les a installés. Leurs yeux d'étrangers pauvres brillaient avec fierté. Peuple du bout du monde ou de sa proche banlieue, tous les laissés pour compte se retrouvaient entre eux.
dans le nord-est de la France, juste avant la frontière, s'étend une immense zone d'exploitation minière. Folquemont, Merle, Bac, Creutzwald, Styra, Vendel, Houyères du bassin de Lorraine, bienvenue au HBL. Ici l'histoire a laissé des traces dans l'accent des gens. On parle encore un dialecte qui ressemble à de l'allemand. Ici il y a le jour et la nuit, ici c'est le fond. Des milliers de mineurs y ont cassé du charbon. La première fois que je suis descendu, il y a ces mots.